histoire écrite et illustrée par Chris Houghton. Voici Harris. Et voici George. Ça, c'est un gâteau. Voici Chat. Là, ce sont des fleurs. Et voici la poubelle. Nous allons pouvoir commencer notre histoire. Oh non, George. Harris sort faire un tour. Tu promets d'être sage, George ? Demande Harris. Oui, répond George, je serai très sage. J'espère que je serai sage, pense George. George voit quelque chose dans la cuisine. Un gâteau ! J'ai dit que je serai sage. Pense George. Mais j'adore les gâteaux. Que va faire George? Oh non, George! Qu'a vu George cette fois? Ces chats. J'ai dit que je serais sage, pense George. Mais j'adore jouer avec chats. Que va faire George? Oh non, George! Qu'a vu George cette fois? Un joli parterre de fleurs. J'ai dit que je serais sage, pense George. Mais j'adore faire des trous dans la terre. Que va faire George? Oh non, George! Harris est de retour. Salut Harris! Content de te revoir. George, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout massacré. Et comment diable as-tu fait pour manger un gâteau tout entier? Que va faire George maintenant? Je suis désolée, dit George. Pour me faire pardonner, je te donne mon jouet préféré. Merci, George, dit Harris. Que dirais-tu d'une petite promenade? Super! George adore sortir. Il y a tant de choses à voir et à faire. Oh oh, George a vu un gâteau. Va-t-il le manger? Non, George passe son chemin. Bravo, George! George voit un joli parterre de fleurs. Va-t-il le massacrer? Et non! Bravo, George! George n'essaie même pas de poursuivre Chat. Même Chat est un peu surpris.
quelque chose sent particulièrement bon. Qu'est-ce que ça peut être? C'est une poubelle. Et il n'y a rien que Georges aime plus que les poubelles. Que va faire Georges? Georges?